fête. Lila, dépêche-toi, on est en retard. Dans 30 minutes à peine, la lumière du soleil frappera la cascade et je vais manquer la photo parfaite. On ne peut pas randonner habillée comme ça. C'est pas la peine de prendre une photo si on ressemble à rien. Et ça sert à rien de bien s'habiller si on ne peut pas prendre de photo. Léa veut une bonne lumière, Lila veut de bonnes chaussures et moi je veux la grande aventure. Oh, raccourci, c'est bien ça. Raccourci au beau milieu des ronces qui piquent et déchirent mes vêtements. Oh, tu peux être fière de toi. Je le suis. Ça marche aussi par en dessous. Mais où tu vas? La première en haut a gagné. Ces chaussures ne sont pas faites pour ça. Ni pour ça. Est-ce que t'as d'autres idées comme celle-là? Le meilleur est à venir. Tu es pleine de surprises. Juste attends. Non, ça va pas du tout. Vous avez vu ma tenue? Attention, le déclencheur automatique. J'ai une idée. Maintenant, tu es parfaite. Parfaitement dégoûtante. La photo est parfaite. Chacun de mes anniversaires, mes amis cachent mes cadeaux. Mais je les trouve en un clin d'œil. Je l'admets, je ne suis pas patiente. Mais ils s'améliorent pour les cacher. Ah ah! J'adore cette chasse aux cadeaux. Rick, Polly va certainement fuiner par ici. J'ai donc caché son cadeau dans mon endroit favori. Lila, son endroit favori. Oh, la galerie marchande! La galerie marchande, tu exagères Lila, trop facile. Alors j'ai caché le cadeau au sommet du mont Overlook où il sera à l'abri de la beaucoup trop curieuse Polly. Shani. Ils ne savent pas à qui elles ont affaire, non mais... Ah, trop facile. Enfin, pour moi en tout cas. Encore un changement? Le cadeau de Polly se trouve chez Polly. Malin. Surprise! Joyeux anniversaire! Tu as aimé ton cadeau? Non, quoi? Quel cadeau? C'est un cadeau que tu ne pouvais pas trouver! L'aventure! On y a passé beaucoup de temps, tu sais. Ah, vous voulez dire que cette chasse au cadeau, pleine de rebondissements, c'était ça mon cadeau? Mais oui! T'as aimé? Et c'était mon idée! Mais pas du tout! C'était notre idée à tous! J'espère que ça t'a plu! En fait, ils savent parfaitement à qui ils ont affaire et c'est de loin le plus beau cadeau que j'ai jamais eu! Je veux des photos pour les mettre dans mon album Meilleur Ami. On nous y verra toutes super souriantes et super copines, alors n'oubliez pas de sourire. Si je vous ai donné un plan de la cabine, c'est pas pour rien les filles. Alors on reprend, ici Shani, Kirsty, Léa, Lila, moi. Et pour finir, Polly. Oh, c'est bon, laisse-nous passer maintenant. Hé, qui a appuyé sur le bouton? Oh, franchement pas drôle. Une minute, je vais réparer ça. Oh, tu répares super vite. Sauf que ton œil, c'est absolument pas ce que je veux. J'y retourne. Sois zen. Cool. On reste calme. C'est bon. Préparez-vous. Cheese. Mais je croyais que tu l'avais réparé. Ce sera pour la prochaine fois. Je veux pas les voir dans mon album. Chrissy, tes cheveux sont un peu... Franchement, tu pouvais pas espérer mieux, Chrissy. C'est tellement nous.
rigole bien. Montrez-les-moi encore une fois. Rien de tel que de bonnes photos entre copines pour redevenir copines. Contente de ne pas être avec Rick aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il participe à un marathon de skateboard pour donner de l'argent au refuge des tortues. C'est génial. Pas si génial que ça. Il fait très chaud. J'espère qu'il va bien. Rick? Salut, Polly. Ça va? Le soleil ne tape pas trop fort pour faire la course? Non, ça va, mais je meurs de chaud. Enfin, je meurs pas pour de vrai, mais je suis en nage. Oh. Insolation? Non, il va bien, il parle toujours comme ça. Tu es sûre que tu veux faire cette course jusqu'au bout? Je n'abandonnerai pas. Les tortues du refuge comptent sur moi. Coucou, Rick. On est dans la piscine. On boit de la limonade. Les filles? Est-ce qu'elle a dit limonade? Elle a dit limonade? Rick a besoin de nous. L'aventure d'aujourd'hui est donc Rick à garder la tête froide. Qui est avec moi? Moi. Et moi. Je ne quitterai pas la piscine. Je ne partirai pas non plus. Voilà une excellente idée. Envoyez la limonade. Si Rick ne vient pas à la limonade viendra à Rick. Synchronie pourrait même venir chanter dans ton jardin. La dernière fois sur son blog, elle portait un chapeau qui avait la forme de... La Tour Eiffel. C'était un indice. On met longtemps pour aller à Paris. Lucie, Lila, tu as vu l'interview qu'elle a donnée l'autre jour? Elle avait des palmiers juste derrière elle. Et on en trouve à Hawaï. Qu'est-ce qu'on attend? Vous n'avez pas compris. Polly, excuse-moi de te le dire, mais tu ne connais pas Lady Synchronie aussi bien que nous. Je crois que je l'ai entendu chanter Sushi, Sushi, Sushi. Oh, moi, je suis une vraie fan. Je vais la rejoindre au Japon. Attendez, les filles. Polly. Quoi? Je ne t'entends pas. Je te rappelle au concert. Lady Synchronie. C'est Polly. Elle dit qu'elle sait où le concert aura vraiment lieu. Tu crois qu'elle a raison? Polly, on t'enverra une vidéo du concert qui aura lieu à Tokyo. Aloha, Polly. Pas le temps de discuter. Et aloha, ça veut aussi dire au revoir. Alors, aloha. Allô? Allô? Il a raccroché. C'est vraiment pas juste. Pas de concert à Paris. Rien ici non plus. Il n'y a rien à Hawaï à part des cendres volcaniques. Salut les amis. Si vous n'avez pas envie de m'écouter, vous voudrez peut-être prêter l'oreille à Lady Synchronie. Lady Synchronie est géniale. Sushi, 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 ouais. Regardez-moi ces montagnes. Hé, hey, vous êtes là? Bien dit, Chrissy. Ils ne se rendent pas compte qu'elles sont dans un endroit magnifique. Puisque c'est comme ça, dans l'aventure d'aujourd'hui, on aura une vraie aventure. Bonjour, Rick. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu t'es perdu? On est dans un parc. Comment veux-tu que je me perde? Oh non! Nous sommes perdus. Comment pourrait-on se perdre? On est juste à côté du... On est perdus? Qu'allons-nous faire? Continuons à rouler. On trouvera peut-être notre coin à pique-nique. C'est trop tentant, je ne peux pas résister. Les filles, c'est ici.
C'est ici. Les derniers promeneurs qui sont venus pique-niquer dans cet endroit ne sont jamais rentrés pour le dîner. Jamais. Je crois que j'ai entendu parler de cette histoire. Oula, étranger. Si je dois me perdre ici, autant me perdre avec élégance et style. Lila, il nous reste encore du gloss? Un seul. Imaginez qu'on ne puisse plus jamais en racheter. Quoi? Combien de temps pourrons-nous tenir avec un seul tube? C'est une véritable catastrophe cosmétique. Eric, vous êtes perdu? Moi? Non, mais elle, oui. Je voulais juste trouver une aventure. Il ne me reste plus qu'une barre sur mon téléphone. Donne, je peux trianguler le signal. Oh non, ça ne marchera pas. Combien de temps vont-elles mettre à se rendre compte qu'on est toujours dans le parc? On leur dit? Non. Pas eu peur? On connaît tes blagues par cœur, Polly. Tu peux plus nous avoir. J'ai renversé mon popcorn à cause de toi. Vous êtes sûre de ne pas avoir eu peur? Plus de courant. Allez, détends-toi. Désolée, mais j'ai pas eu peur du noir non plus. Moi, je serais pas contre une petite lampe torche. Je vais te chercher ça. Trop nul. Moi, je m'en vais. Je te suis. Allez, quoi? Je croyais que vous connaissiez toutes mes blagues. Je récupère quand même la lampe. Et le popcorn. C'était drôle, non? Non? Désolée. Je ne le ferai plus, promis. Bon, il n'y a rien qui me fait peur à moi. Hein? D'accord, ça me fait un peu peur. Rick, les filles, quelqu'un! On t'a bien eu! Oh, d'accord, je dois l'admettre, je ne connais pas encore toutes vos blagues. Bien joué! Un ennui? Tu crois que c'est une bombe, ça? Tu veux voir une vraie bombe? Regarde! Attention! Chaud devant! La plus belle bombe du monde! Et ça, ma petite oursambule, ça doit te servir de leçon. Mais, oursambule? 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 Où est-elle passée? Mais d'habitude, les bulles, ça ne grimpe à l'eau. Oh non! Tu l'as désintégrée! Oh. Comment on va le dire à ses parents? Au fait, ça n'a pas de parents, mignon. Mais j'ai une idée. On n'a qu'à regrouper toutes ces bulles. Tu crois que c'est possible? Bien sûr, je l'ai fait très souvent. Bon, d'accord, c'est la première fois. Mais essayons toujours. Ça y est, toutes réunies. Oursambule, est-ce que tu m'entends? On dirait que quelque chose cloche. C'est Frankenbull. Oursambule. Je dois le reconnaître. Oursambule nous a fait la plus belle bombe que j'ai jamais vue. Et si on recommençait? Party only, party transforms your day into a world of adventure. Party only, party.
Dans l'aventure d'aujourd'hui, Lila et Chrissy vont avoir une interview avec Kiyomi Chic cet après-midi. Kiyomi Chic est la journaliste de mode la plus célèbre du monde. Je vais ouvrir. Surprise. Oh, Kiyomi Chic. Oui. Chrissy, Lila, c'est pour vous. On n'a pas le temps, on doit se préparer pour... Kiyomi. Vous êtes en avance. Oh, ne me dites pas que le défilé de votre nouvelle collection n'est pas prêt. Si. Une seconde, le temps de nous changer. Alors, tout va bien? Oh, j'avais demandé à Lila de s'assurer que nos nouvelles robes seraient livrées à temps. Oui, mais moi j'ai dit à Chrissy qu'elle devait le faire elle-même. J'imagine que personne n'a récupéré votre collection. Exactement. Oh, la mode, ce n'est pas sorcier. Bon, j'ai trouvé. Règle numéro 1 de la mode. Portez cette tenue avec assurance. Et voici votre nouveau look. Pas question, je ne porterai pas ça. Il nous faut du renfort. Oh, un tutu et une queue. Est-ce que par hasard la mode serait aux froufrou et aux animaux et personne ne m'aurait rien dit? Personne ne vous a dit. Miaou. Eh bien, je ne m'attendais pas du tout à... On était en train de se promener dans le quartier et quelqu'un nous a dit que c'était vous, les stylistes, qui aviez inventé cette miaounifique collection. Oh, je suis superbe, pas vrai? Croyez-moi, j'ai vu tout ce qui peut se faire dans la mode, mais je n'avais jamais vu ça. C'est formidable. Ça fera un article sensationnel. Miaou. Très bien. Je vous félicite. Pourquoi je me suis portée volontaire pour préparer les desserts de l'après-concert de Lady Synchronie? Elle peut être tellement tranchante parfois, elle serait capable de me couper en deux. On peut t'aider? On est de vraies expertes en Lady Synchronie, tu sais. Chrissy m'a fait regarder toutes ses vidéos. Et j'ai lu tous ses articles. Kirsty, nous savons très exactement ce qui lui ferait plaisir. Une tarte tignole. Un banana melba. Un tiramisu. Un baba au chocolat. Mais non, enfin c'est Lady Synchronie. Elle adore le baba au chocolat. C'est le banana melba ou rien. C'est mon dessert qu'elle préfère. C'est l'heure. Oh, ils ont tous l'air si bons. Je suis vraiment désolée. Mais c'est Lady Synchronie qui devra choisir. Alors ce sera le mien. C'est ça, oui, compte toujours. Tout ça sans la tarte renversée. Non! Qu'est-ce que Lady Synchronie va penser? Je pense que tu as réussi à t'imprégner de mon style inimitable pour faire ton gâteau. Brillant! Au moins, nous savons maintenant ce qu'est notre star préférée. Enfin, presque. Polly, only Polly transforms your day into a world of adventure. Aujourd'hui, nous allons faire le tour du monde en 80 minutes. Pilote automatique, à toi de jouer. Je crois qu'on devrait tous sortir d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Il est déjà trop tard. Et voici la ligne de départ. Génial. Kirsty, démarre le chrono. Accrochez-vous, les amis. De s'écraser? Non, le pilote automatique croit que nous traversons un orage. Il essaie d'éviter les éclairs. Génial! Oh, Polly, si ça continue comme ça, tu n'arriveras jamais à temps. Nous devons tourner ce bouton sur le tableau de bord. Je crois que je peux l'atteindre d'ici. Lancez tous vos chaussures. 1, 2, 3. Quoi? Ah, oui, c'est vrai. Bien joué, Lila. Bien, j'ai encore le temps de faire le tour du monde en 80 minutes. Panne de carburant, préparez-vous à l'atterrissage. Le pôle Nord. Oui, c'est super, je sais bien, mais
J'aurais pu y arriver, vous savez, s'il n'y avait pas eu ce problème de bouton. Polly, arrête! Tu viens juste de faire le tour du pôle Nord. Ça veut dire que tu as fait le tour de la planète en moins de 24 secondes. L'aventure d'aujourd'hui, c'est course au tour du monde. Regardez-moi ces montagnes. Hé, hey, vous êtes là? Bien dit, Chrissy. Ils ne se rendent pas compte qu'elles sont dans un endroit magnifique. Puisque c'est comme ça, dans l'aventure d'aujourd'hui, on aura une vraie aventure. Bonjour, Rick. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu t'es perdu? On est dans un parc. Comment veux-tu que je me perde? Oh non! Nous sommes perdus. Comment pourrait-on se perdre? On est juste à côté du... On est perdus? Qu'allons-nous faire? Continuons à rouler. On trouvera peut-être notre coin à pique-nique. C'est trop tentant, je ne peux pas résister. Les filles, c'est ici. C'est ici. Les derniers promeneurs qui sont venus pique-niquer dans cet endroit ne sont jamais rentrés pour le dîner. Jamais. Je crois que j'ai entendu parler de cette histoire. Voilà, étranger. Si je dois me perdre ici, autant me perdre avec élégance et style. Lila, il nous reste encore du gloss? Un seul. Imaginez qu'on ne puisse plus jamais en racheter. Quoi? Combien de temps pourrons-nous tenir avec un seul tube? C'est une véritable catastrophe cosmétique. Eric, vous êtes perdu? Moi? Non, mais elle, oui. Je voulais juste trouver une aventure. Il ne me reste plus qu'une barre sur mon téléphone. Donne, je peux trianguler le signal. Oh non, ça ne marchera pas. Combien de temps vont-elles mettre à se rendre compte qu'on est toujours dans le parc? On leur dit? Non. Contente de ne pas être avec Rick aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il participe à un marathon de skateboard pour donner de l'argent au refuge des tortues. C'est génial. Pas si génial que ça. Il fait très chaud. J'espère qu'il va bien. Rick? Salut, Polly. Ça va? Le soleil ne tape pas trop fort pour faire la course? Non, ça va, mais je meurs de chaud. Enfin, je meurs pas pour de vrai, mais je suis en nage. Oh. Insolation? Non, il va bien, il parle toujours comme ça. Tu es sûre que tu veux faire cette course jusqu'au bout? Je n'abandonnerai pas. Les tortues du refuge comptent sur moi. Coucou, Rick. On est dans la piscine. On boit de la limonade. Les filles? Est-ce qu'elle a dit limonade? Elle a dit limonade? Rick a besoin de nous. L'aventure d'aujourd'hui est dont Rick a gardé la tête froide. Qui est avec moi? Moi. Et moi. Je ne quitterai pas la piscine. Je ne partirai pas non plus. Voilà une excellente idée. Envoyez la limonade. Si Rick ne vient pas à la limonade viendra à Rick. N'importe où dans le monde. Lady Synchronie pourrait même venir chanter dans ton jardin. La dernière fois sur son blog, elle portait un chapeau qui avait la forme de... La Tour Eiffel. C'était un indice. On met longtemps pour aller à Paris. Lucie, Lila, tu as vu l'interview qu'elle a donnée l'autre jour? Elle avait des palmiers juste derrière elle. Et on en trouve un... Hawaï. Qu'est-ce qu'on attend?
Vous n'avez pas compris. Polly, excuse-moi de te le dire, mais tu ne connais pas Lady Synchronie aussi bien que nous. Je crois que je l'ai entendu chanter Sushi, Sushi, Sushi. Oh, moi, je suis une vraie fan. Je vais la rejoindre au Japon. Attendez, les filles. Polly! Quoi? Je ne t'entends pas. Je te rappelle au concert. Lady Synchronie! C'est Polly. Elle dit qu'elle sait où le concert aura vraiment lieu. Tu crois qu'elle a raison? Polly, on t'enverra une vidéo du concert qui aura lieu à Tokyo! Aloha, Polly! Pas le temps de discuter! Et aloha, ça veut aussi dire au revoir! Alors, aloha! Allô? Allô? Il a raccroché. C'est vraiment pas juste! Pas de concert à Paris! Rien ici non plus! Il n'y a rien à Hawaï à part des cendres volcaniques! Salut les amis! Si vous n'avez pas envie de m'écouter, vous voudrez peut-être prêter l'oreille à Lady Synchronie! Lady Synchronie est géniale! Sushi! 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 Ouais! Regardez-moi ces montagnes. Hé, hey, vous êtes là? Bien dit, Chrissy. Ils ne se rendent pas compte qu'elles sont dans un endroit magnifique. Puisque c'est comme ça, dans l'aventure d'aujourd'hui, on aura une vraie aventure. Bonjour, Rick. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu t'es perdu? On est dans un parc. Comment veux-tu que je me perde? Nous sommes perdus. Comment pourrait-on se perdre? On est juste à côté du... On est perdus? Ah, qu'allons-nous faire? Continuons à rouler. On trouvera peut-être notre coin à pique-nique. C'est trop tentant, je ne peux pas résister. Les filles, c'est ici. C'est ici. Les derniers promeneurs qui sont venus pique-niquer dans cet endroit ne sont jamais rentrés pour le dîner. Jamais. Je crois que j'ai entendu parler de cette histoire. Oh là, étranger. Si je dois me perdre ici, autant me perdre avec élégance et style. Lila, il nous reste encore du gloss? Un seul. Imaginez qu'on ne puisse plus jamais en racheter. Quoi? Combien de temps pourrons-nous tenir avec un seul tube? C'est une véritable catastrophe cosmétique. Hé, hey, Rick. Vous êtes perdu? Moi? Non, mais elle, oui. Je voulais juste trouver une aventure. Il ne me reste plus qu'une barre sur mon téléphone. Donne, je peux trianguler le signal. Oh non, ça ne marchera pas. Combien de temps vont-elles mettre à se rendre compte qu'on est toujours dans le parc? On leur dit? Non. Si longtemps, je sens que ça va être la plus belle des journées. Oh, pardon, on ne double pas. Il a doublé, quelqu'un a doublé ici. Vous allez faire quelque chose, oui ou non? 2, 4, 6. Non, il va avoir la place de devant. Les deux places même. Eh bien, tant pis. Au fond, ce n'est pas très important. Si, c'est très important, la première rangée, c'est la meilleure. Pardon. Wow. Tu sais, mon ami et moi, nous voulions vraiment nous asseoir devant. Oh non! Ça s'est plutôt bien passé. Oui, je pars bien. Tu veux dire très très mal. C'est tellement fou que ça pourrait marcher. Tu permets? Que je te permets de quoi? Tu permets que je m'occupe de cette brute? Une bonne fois pour toutes. Et voilà le travail. Oh, reviens l'année prochaine, tu seras peut-être assez grand pour les montagnes russes. Polly only Polly transforms your day into a world of adventure. Polly only Polly.
21 murs que j'ai fait pousser pour la grande foire aux tartes et 21 moules à tarte. Oh, il en manque un. Oh, je n'ai plus qu'à aller au magasin et acheter un autre moule. Mais qui surveillera les Obertrouilles pendant ce temps? C'est l'aventure d'aujourd'hui. Protégeons le potager. D'accord, mais surtout fais très très attention aux Obertrouilles. Ne t'inquiète pas, avec moi ton potager n'a rien à craindre. Seule Obertrouille. Kirstie va devenir folle quand elle va voir qu'il n'y en a plus assez pour nourrir. Mais oui, bien sûr. Amène-moi l'engrais. Fais pousser vos légumes en un éclair. Celle-là, tu n'y toucheras pas. Ha ha. Alors, c'est qui le plus malin? Oh. D'accord, c'est toi. Polly! Que je te dise. Je ne sais pas comment tu fais tout ça, Polly. Franchement, ça me sidère. Glace à la pistache enrobée de biscuits croustillants. Dans les 10 secondes, je crois que je vais devenir... Yeah! Il me reste encore un ou deux branchements. Je prends le tuyau de... Lorsque j'ai inventé ce nouveau parfum, je n'ai pas imaginé qu'il deviendrait si populaire avant même qu'il ne soit créé. C'est vrai. Il faut être sûr qu'il y en aura pour tout le monde. Polly! Pour l'arrêter. Cette manette. Dommage. Ou celle-ci. Une mer de glace. Ah, non, une montagne. On se retrouve en bas. Wouhou! À fond sur la pistache. Excité. Et tout ça pour voir le livre le plus génial transformé en... Film le plus génial. Mon billet perdu. Le film démarre dans 5 minutes. Allez-y sans moi. Tant pis, je ne mérite pas de le voir. On ne laisse jamais tomber une amie. Vrai. On n'y va pas sans toi. Bah, disons que... Oh, hé, hey, arrêtez ce ticket. Allons-y, vite. Mais où ça? Attendez-moi, j'ai des talons. Dépêche-toi, vite. On grimpe l'escalator qui descend. Ou on descend celui qui monte. Les deux. Je n'ai pas vraiment la tenue qu'il faut. Film dans 4 minutes, mais ça suffira bien. Oh, non. Je l'ai. Oh, raté. Chaud devant. Thank you.
Silence sur le plateau. Envoyez la lumière, caméra et moteur. Venez, on a un film à voir. Un des pires films de ma vie. Tout à fait d'accord. Ah oui, à ce point? Pire. Pourquoi personne ne m'a réveillée? Quand la suite sortira, faites-moi penser à perdre mon ticket. Ça vaudra mieux. J'y arriverai pas. Pourquoi je me suis portée volontaire pour préparer les desserts de l'après-concert de Lady Synchronie? Elle peut être tellement tranchante parfois, elle serait capable de me couper en deux. On peut t'aider? On est de vraies expertes en Lady Synchronie, tu sais. Chrissy m'a fait regarder toutes ses vidéos. Et j'ai lu tous ses articles. Kirsty, nous savons très exactement ce qui lui ferait plaisir. Une tarte tignole. Un banana melba. Un tiramisu. Un baba au chocolat. Mais non. Enfin, c'est Lady Synchronie. Elle adore le baba au chocolat. C'est le banana melba. Ou rien. C'est mon dessert qu'elle préfère. C'est l'heure. Oh, ils ont tous l'air si bons. Je suis vraiment désolée. Mais c'est Lady Synchronie qui devra choisir. Alors ce sera le mien. C'est ça, oui, compte toujours. Ça sans la tarte renversée. Non! Qu'est-ce que Lady Synchronie va penser? Je pense que tu as réussi à t'imprégner de mon style inimitable pour faire ton gâteau. Brillant! Au moins nous savons maintenant ce qu'est notre star préférée. Enfin, presque. Je veux des photos pour les mettre dans mon album Meilleure Amie. On nous y verra toutes super souriantes et super copines, alors n'oubliez pas de sourire. Si je vous ai donné un plan de la cabine, c'est pas pour rien les filles. Alors on reprend, ici Shani, Kirsty, Léa, Lila, moi. Et pour finir, Polly. Oh, c'est bon, laisse-les passer maintenant. Hé, qui a appuyé sur le bouton? Oh, franchement, pas drôle. Une minute, je vais réparer ça. Oh, tu répares super vite. Sauf que ton œil, c'est absolument pas ce que je veux. J'y retourne. Sois zen. Cool. On reste calme. C'est bon. Préparez-vous. Cheese. Mais je croyais que tu l'avais réparé. Ce sera pour la prochaine fois. Je ne veux pas les voir dans mon album. Chrissy, tes cheveux sont un peu... Franchement, tu pouvais pas espérer mieux, Chrissy. C'est tellement nous. En plus, on rigole bien. Montre-les-moi encore une fois. Rien de tel que de bonnes photos entre copines pour redevenir copines. Good.
t'avais vu venir. J'ai pas eu peur. On connaît tes blagues par cœur, Polly. Tu peux plus nous avoir. J'ai renversé mon popcorn à cause de toi. Vous êtes sûre de ne pas avoir eu peur? Plus de courant. Allez, détends-toi. Désolée, mais j'ai pas eu peur du noir non plus. Moi, je serais pas contre une petite lampe torche. Je vais te chercher ça. Je vous ai bien eu. T'es trop nulle. Moi je m'en vais. Je te suis. Allez quoi, je croyais que vous connaissiez toutes mes blagues. Je récupère quand même la lampe et le popcorn. C'était drôle, non? Non. Désolée. Je ne le ferai plus, promis. Bon, y a rien qui me fait peur à moi. D'accord, ça me fait un peu peur. Rick, les filles, quelqu'un. On t'a bien eu. D'accord, je dois l'admettre, je ne connais pas encore toutes vos blagues. Bien joué. Mes amis cachent mes cadeaux. Mais je les trouve en un clin d'œil. Je l'admets, je ne suis pas patiente. Mais ils s'améliorent pour les cacher. Ah ah! J'adore cette chasse aux cadeaux. Rick, Polly va certainement fuiner par ici. J'ai donc caché son cadeau dans mon endroit favori. Lila, son endroit favori. Oh, la galerie marchande! La galerie marchande, tu exagères, Lila. Trop facile. Alors j'ai caché le cadeau au sommet du mont Overlook où il sera à l'abri de la beaucoup trop curieuse Polly. Shani. Ils ne savent pas à qui elles ont affaire, non mais... Ah, trop facile. Enfin, pour moi en tout cas. Encore un changement? Le cadeau de Polly se trouve chez Polly. Malin. Surprise! Joyeux anniversaire! Tu as aimé ton cadeau? Mon quoi? Quel cadeau? C'est un cadeau que tu ne pouvais pas trouver! L'aventure! On y a passé beaucoup de temps, tu sais. Ah! Vous voulez dire que cette chasse au cadeau, pleine de rebondissements, c'était ça mon cadeau? Mais oui! T'as aimé? Et c'était mon idée! Mais pas du tout! C'était notre idée à tous! J'espère que ça t'a plu! En fait, ils savent parfaitement à qui ils ont affaire et c'est de loin le plus beau cadeau que j'ai jamais eu! Dépêche-toi, on est en retard. Dans 30 minutes à peine, la lumière du soleil frappera la cascade et je vais manquer la photo parfaite. On ne peut pas randonner habillé comme ça. C'est pas la peine de prendre une photo si on ressemble à rien. Et ça sert à rien de bien s'habiller si on ne peut pas prendre de photo. Léa veut une bonne lumière, Lila veut de bonnes chaussures et moi je veux la grande aventure. Oh, raccourci, c'est bien ça. Raccourci au beau milieu des ronces qui piquent et déchirent mes vêtements. Oh, tu peux être fière de toi. Je le suis. Ça marche aussi par en dessous. Mais où tu vas? La première en haut a gagné. Ces chaussures ne sont pas faites pour ça. Ni pour ça. Est-ce que t'as d'autres idées comme celle-là? Le meilleur est à venir. Tu es pleine de surprises. Juste attends. Non, ça va pas du tout. Vous
avez vu ma tenue? Attention, le déclencheur automatique! J'ai une idée! Maintenant, tu es parfaite! Parfaitement dégoûtante! La photo est parfaite! Glace à la pistache enrobée de biscuits croustillants. Dans les 10 secondes, je crois que je vais devenir... Il me reste encore un ou deux branchements. Je prends le tuyau de... Lorsque j'ai inventé ce nouveau parfum, je n'ai pas imaginé qu'il deviendrait si populaire avant même qu'il ne soit créé. C'est vrai. Il faut être sûr qu'il y en aura pour tout le monde. Polly! Non! Oh ah Oups! Comment on fait pour l'arrêter? Cette manette! Dommage. Oh, celle-ci. Où sont les filles? Tout semble dessert. Polly, c'est une mer de glace. Ah. Non, une montagne! On se retrouve en bas! Wouhou! À fond sur la pistache! Et tout ça pour voir le livre le plus génial transformé en... Film le plus génial. Mon billet perdu. Le film démarre dans 5 minutes. Allez-y sans moi. Tant pis, je ne mérite pas de le voir. On ne laisse jamais tomber une amie. Vrai. On n'y va pas sans toi. Bah, disons que... Oh, hé, hey, arrêtez ce ticket. Allons-y. Vite, mais où ça? Attendez-moi, j'ai des talents. Dépêche-toi, vite. On grimpe l'escalator qui descend. Ou on descend celui qui monte. Les deux. Je n'ai pas vraiment la tenue qu'il faut. Film dans 4 minutes, mais ça suffira bien. Oh, non! Je l'ai! Oh, raté! Chaud devant! Sur le plateau, envoyez la lumière, caméra et moteur. Venez, on a un film à voir. Un des pires films de ma vie. Tout à fait d'accord. Ah oui, à ce point? Pire. Pourquoi personne ne m'a réveillée? Quand la suite sortira, faites-moi penser à perdre mon ticket. Ça vaudra mieux. Il a doublé. Quelqu'un a doublé ici.
vous allez faire quelque chose, oui ou non? 2, 4, 6... Non, il va avoir la place de devant. Les deux places même. Eh bien, tant pis. Au fond, ce n'est pas très important. Si, c'est très important. La première rangée, c'est la meilleure. Pardon. Wow. Tu sais, mon ami et moi, nous voulions vraiment nous asseoir devant. Oh non. Ça s'est plutôt bien passé. Oui, je pars bien. Tu veux dire très très mal. C'est tellement fou que ça pourrait marcher. Tu permets? Que je te permets de quoi? Tu permets que je m'occupe de cette brute? Une bonne fois pour toutes. Et voilà le travail. Oh, reviens l'année prochaine, tu seras peut-être assez grand pour les montagnes russes. Glace à la pistache enrobée de biscuits croustillants. Dans les 10 secondes, je crois que je vais devenir... Il me reste encore un ou deux branchements, je prends le tuyau de... Lorsque j'ai inventé ce nouveau parfum, je n'ai pas imaginé qu'il deviendrait si populaire avant même qu'il ne soit créé. C'est vrai. Il faut être sûr qu'il y en aura pour tout le monde. Polly! Dommage. Oh, celle-ci. Où sont les filles? Tout semble dessert, Polly. C'est une mer de glace. Ah. Non, une montagne. On se retrouve en bas. Wouhou! À fond sur la pistache. J'ai fait pousser pour la grande foire aux tartes et 21 moules à tarte. Oh, il en manque un. Oh, je n'ai plus qu'à aller au magasin et acheter un autre moule. Mais qui surveillera les aubertrouilles pendant ce temps? C'est l'aventure d'aujourd'hui. Protégeons le potager. D'accord, mais surtout fais très très attention aux aubertrouilles. Ne t'inquiète pas, avec moi ton potager n'a rien à craindre. Aubertrouille. Kirsty va devenir folle quand elle va voir qu'il n'y en a plus assez pour nourrir. Mais oui, bien sûr. Amène-moi l'engrais. Fais pousser vos légumes en un éclair. Celle-là, tu n'y toucheras pas. Alors, c'est qui le plus malin? Oh! D'accord, c'est toi. Polly! Kirsty, il faut que je te dise... Je ne sais pas comment tu fais tout ça, Polly. Franchement, ça me suffit.